Salut à tous, c'est Skezo et je suis de retour pour la suite des aventures de Lara Croft à la recherche de la source divine. Donc c'est parti. Oui, je crois que j'avais déjà fait ça, c'est bon. Alors, je crois que c'était par là. Donc nous y allons. Ah, j'y vais tout. J'espère qu'ils vont pas me voir. Sinon, je suis un peu dans la merde. Et ils vont faire la guerre. Ils sont si nombreux. On va voir si ça veut dire quelque chose. Non, elle ne dit rien. Donc, je passe. S'il y a des trucs à prendre. Fail. Oh!
content, je te dis. C'est pour la j'ai un passage. Nous avons dit aux habitants de la cité dans la vallée que nous attaquerions à l'aube. Mais nous avancerons derrière les Karash quand la lune sortira. Les prisonniers faits pendant les batailles à l'ouest nous serviront de boucliers. La longue marche dans les montagnes a eu raison de la plupart d'entre eux. Mais les survivants protégeront la Horde. La cité scintille est-elle un joyau à portée de main? Nous allons prendre ce qui nous appartient et ramener notre butin chez nous. Ouais, mais visiblement on n'a pas réussi. Ça, c'est vraiment étrange.
Il y a des éléments de style Sith. Mais ça ressemble à... Non, impossible. Je vais voir de l'autre côté. Ah, ton maire, c'est pour là qu'il faut aller, je trouve. Je vais voir s'il y a un truc. Bon bah je me suis foiré. Arrêtez. Tout ce qu'on peut faire, c'est les ralentir un peu. On se retrouve de l'autre côté. Oh, c'est magnifique. J'aime bien le décor de glace, là. C'est vraiment magnifique. La chambre des âmes. La source divine doit être ici. C'est par cette porte qu'il faut passer pour atteindre le cœur de la cité. J'ai échoué. Mes péchés ne seront pas absous. J'ai maculé mes mains de sang en recherchant le prophète, et aujourd'hui, il ne reste plus rien. Alors que l'assaut se muait en siège, le peuple du prophète a commis l'impensable. Ils ont retourné leurs armes contre le glacier et enterré leur propre cité. La glace a enseveli tout le monde, que ce soit les Mongols ou les disciples du prophète. Le Khan et sa horde de guerriers sont morts. Les habitants de Kitej sont brisés et dispersés. Moi seul ai survécu, dans le cœur gelé de la cité, avec pour seule compagnie l'armée d'immortels du prophète, aux yeux brûlants d'une lueur impie. Encore maintenant, ils traquent les survivants dans les ruines. Cela ne m'étonne pas du tout. On va voir le foutement. Je ne sais pas comment je me représentais un être immortel, mais Jacob semble si... humain. Quand je pense aux choses dont il a été témoin au fil des ans, à ses expériences, ses connaissances, ça dépasse l'entendement. Et pourtant, il a menti à son peuple pendant des générations. Tout ça...